Alors, dans les vidéos précédentes, on a commencé à parler de matériel, de texture, de shader. Et j'ai dit deux mots sur le PBR matériel, donc les Physically Based Render, qui sont des textures évoluées, hyper réalistes, qui vont vous permettre de reproduire tout ce qu'on a dans le monde réel, les reflets lumineux, les ombres, vraiment la texture que l'on peut ressentir au toucher sur l'objet. Et il y a des sites web qui sont spécialisés. Alors souvent, vous allez retrouver des textures payantes, hein, mais je vais vous présenter des services gratuits. Mais voilà, vous avez des services spécialisés dans les textures PBR. Bon, là, c'est un exemple, hein. Vous pouvez visualiser ce que ça donne. Et vous allez avoir la possibilité de télécharger des textures en ultra haute résolution avec toutes les textures complémentaires. Je vais vous présenter ça tout à l'heure, hein. Mais vous avez des textures complémentaires pour définir les zones métalliques, les zones d'ombre, les zones en plastique, etc., etc. Un site que j'aime bien, c'est Ambient CG, qui sont des textures gratuites. Donc, ce sont des textures PBR gratuites. On a la possibilité d'explorer les textures. Et si vous voulez quelque chose, par exemple le sol, allez, on va prendre ce sol-là. On peut analyser la texture d'un peu plus près. On a les différents formats. On a en 1000 pixels, 2000, 4000, 8000. Donc on a vraiment la possibilité de télécharger les textures en vraiment très très haute résolution. Je vais prendre en 2, en, allez, en 1000 parce que ça fait déjà 10 mégas. Je vais prendre en 1000 pour vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, j'ai téléchargé la texture, je l'ai extraite et voilà ce que j'ai dans le dossier. Je retrouve le PNG qui, en fait, c'est juste de la prévisualisation. C'est juste pour qu'on puisse voir quel est le matériel que nous avons téléchargé. Ensuite, on a des formats un peu spéciaux si vous voulez directement modifier les matériels, mais nous, ça ne nous intéressera pas. Puis, on a la texture. Ici, on a la texture. Je sais que c'est la texture puisqu'il y a tiret-bas color. Donc ça, c'est vraiment la texture de base que l'on peut utiliser juste pour avoir la couleur. Ensuite, en plus de la texture, on peut avoir l'occlusion ambiante, c'est-à-dire les zones d'ombre. Là, on a de l'herbe, on a des brins d'herbe, et forcément, sous un brin d'herbe, il y a de l'ombre. Le brin d'herbe ou une brindille en bois va projeter de l'ombre. Et là, c'est vraiment une carte de l'ombrage que l'on doit appliquer. Pourquoi est-ce qu'on utilise des textures plutôt que la lumière? Je vous l'ai déjà expliqué, c'est que la lumière, c'est vraiment ultra complexe à calculer. Ça demande énormément de ressources. Vous imaginez si j'ai des milliards de brins d'herbe et si je dois calculer les ombres projetées pour les milliards de brins d'herbe, c'est trop complexe, c'est pas possible. Alors qu'en utilisant une texture, la texture, elle est prête, elle est déjà précalculée, j'ai juste à l'appliquer et ça va me générer les ombres. Donc voilà pourquoi on utilise des textures et le rendu est vraiment hyper réaliste. Ensuite, on a la rugosité du sol. Un brin d'herbe sera plus lisse que de la terre, par exemple. Donc là, c'est la carte de rugosité. Je le vois parce qu'il y a écrit rugness. Donc la carte de rugosité, ça va nous dire qu'est-ce qui est plus ou moins brillant, qu'est-ce qui est plus ou moins rugueux, lisse ou rugueux. On a la carte de déplacement, on a la normal map avec l'effet de profondeur. On a les brins d'herbe qui sont au-dessus de la terre, puisque l'herbe pousse sur la terre, donc la terre est plus basse que l'herbe. Et donc là, c'est une représentation 3D. Et on peut avoir encore d'autres types de textures. Il y a d'autres types de textures physiques qui existent, mais là, on en a déjà quelques-unes. Ça sera largement suffisant pour bien comprendre comment marchent les textures PBR. Alors avant de vous montrer la texture que nous avons téléchargée ensemble, je vais vous présenter un exemple ici avec un briquet. Ce briquet, j'ai laissé le matériel par défaut du Universal Render Pipeline Lite. Ce n'est pas forcément le matériel le plus réaliste puisque le Universal Render Pipeline, c'est moins réaliste que le HDRP. Mais on peut déjà avoir quelque chose de super sympa. Donc là, j'ai tout simplement un matériel tout blanc. On n'a absolument rien. J'ai quelques textures. J'ai notamment une texture de couleur pour ce briquet. Donc là, si j'applique la texture de couleur, au lieu de laisser une couleur blanche comme ça, je vais donner la couleur de base. Je me retrouve bien avec un briquet coloré ici. Voilà.
J'ai mon briquet coloré classique. Maintenant, si je veux ajouter les ombrages, parce qu'on a de l'ombre, sous le bouton, ici, on a une petite forme 3D, et techniquement, sous le bouton, on est censé avoir des zones d'ombre là. Si je veux ajouter de l'ombrage, même à l'intérieur du briquet, donc je peux utiliser la lumière temps réel, mais c'est trop complexe, ou alors je peux utiliser le Occlusion Map. Le Occlusion Map, ou Ambient Occlusion, si vous utilisez des logiciels comme Blender, ça s'appellera l'Ambient Occlusion, c'est la carte des ombrages. Vous voyez là, c'est une texture sur mon briquet, avec les zones d'ombre qui sont définies. Donc regardez bien, je vais appliquer la texture sur l'Occlusion Map, et hop, on a bien l'ombre qui apparaît. Je vous laisse revenir en arrière dans la vidéo si vous voulez voir la différence. Ou alors, je peux tout simplement vous montrer avec ce slider, avec et sans la texture d'ombrage. Ensuite, on va avoir la métallicité. Là, j'ai utilisé une texture, j'ai utilisé une surface métallique. On a métallique ou spéculaire. Le briquet, c'est métallique. Enfin, là, c'est du plastique, mais cette pièce-là est métallique. Et le métal, ça fait refléter un peu plus les rayons lumineux. Et donc, on peut utiliser la Metallic Map. Alors, je l'ai ici, hein, j'ai la Metallic Map qui va me permettre de définir les zones métalliques et les zones pas du tout métalliques. Donc, je peux utiliser cette texture-là pour pouvoir avoir des reflets lumineux beaucoup plus réalistes. Donc là, je prends la Metallic Map et je la mets ici. Donc là, ça charge un petit peu. Et là, ça m'a bien recréé les zones métalliques. Je vais vous montrer. Vous voyez, les zones métalliques sont plus brillantes. On a un petit peu plus de rayons lumineux dessus. On a également la Normal Map pour recréer l'effet 3D. Et donc là, on peut constater que j'ai bien la Normal Map qui s'applique ici. On a bien cet effet 3D sur le côté. Regardez, si j'enlève la normal map, hop, on n'a plus rien. Et si je la remets, on a cet effet de 3D qui est uniquement généré par de la texture. Ça reste totalement plat, c'est uniquement généré par de la texture. Bon, voilà un exemple assez parlant. Maintenant, je vais ajouter un sol, GameObject, 3DObject, je vais prendre un plane. Donc là, c'est le sol ici. Et puis je vais importer ma texture PBR. Donc je vais prendre le dossier ground.p, enfin ground et je vais le faire glisser dans mon dossier texture de Unity. Ce qui fait que ça m'a importé mes textures du sol. Je peux prendre la couleur et la faire glisser sur le sol ici. Comme ça m'applique bien ma texture. Alors là, évidemment, c'est un peu trop grand. Je vais réduire la surface ici. Je vais peut-être positionner la caméra un peu mieux pour qu'on puisse y voir un petit peu plus de choses. Voilà. Donc là, ça filme bien le sol. Le sol ici, on a le Universal Render Pipeline Lit et on est en mode métallique. Le sol n'est pas métallique du tout. Le sol, il va plutôt être spéculaire, on va dire. Mais malgré tout, ici, vous voyez, on n'a pas vraiment besoin de rayons lumineux. Donc je vais dire que le sol n'est pas du tout lisse, c'est plutôt quelque chose de rugueux. Ensuite, on a besoin de l'effet 3D, de l'effet de profondeur. Je vais donc prendre la normal map ici. Et je fais glisser la normal map pour avoir cet effet 3D qui s'applique. Alors on a deux types de normal map. Vous pouvez choisir celle que vous préférez. Et ensuite, l'effet est beaucoup beaucoup trop prononcé. La normal map, j'aime pas avoir cet effet trop prononcé parce qu'au final on perd le réalisme. Je peux mettre 0,25. On verra un peu plus tard si c'est trop. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais ajouter l'occlusion map, donc l'ambient occlusion, ce qui va me permettre de créer les ombres grâce à la texture. Ensuite, on va ajouter la rugosité. Donc, je peux la mettre sur la specular map. Donc là, je remets de la valeur pour ajuster.
Donc l'éclairage est un petit peu trop intense. Alors pour le coup, je me rends compte que là, l'effet n'est pas top. C'est parce que j'ai dû me tromper. Et selon les textures ici que j'ai téléchargées, j'aurais plutôt dû me mettre en mode métallique ici pour avoir un rendu avec des couleurs plus vives. Voilà, là, ça sera un peu plus sympa. Et ensuite, je peux rediminuer le smooth. Et puis tout de suite, on a quelque chose de plus sympa. Et après, ce qui est bien avec les textures que vous pouvez télécharger en ligne, c'est qu'elles sont tillables, c'est-à-dire que ça peut se répéter à l'infini. Si vous les collez comme ça, que vous faites CTRL D, ça peut vraiment se répéter à l'infini pour créer un terrain immense. Avec cette texture qui peut se répéter. Ou sinon, si vous voulez créer qu'un seul plane, mais que le plane est vraiment très très grand, forcément vous allez perdre en résolution au niveau de la texture. Vous allez beaucoup beaucoup perdre en résolution. Et à ce moment-là, vous allez modifier la propriété tiling ici. Le tiling permet de répéter la texture. Je peux par exemple la répéter 10 fois sur l'axe X. Alors là, elle est totalement déformée. Je peux la répéter 10 fois sur l'axe Y. Et là, la texture est parfaite. On a la texture qui se répète automatiquement. Ça ne se voit pas. On ne voit pas les traits de liaison. Et quand le joueur va se déplacer sur le monde, il aura une texture infinie comme ça. Donc vous pouvez utiliser cette propriété tiling pour pouvoir répéter une texture. Ensuite, une autre propriété qui pourrait vous intéresser, c'est le offset. Le offset va vous permettre de pouvoir décaler la texture comme ça. Alors sur le sol, ça n'a pas trop d'intérêt, on ne va pas décaler le sol comme ça, mais dans certains cas, décaler la texture, ça peut être utile si vous voulez appliquer une zone en particulier d'une texture. Ou alors, moi, je l'utilise avec un script C Sharp pour animer le tiling comme ça, pour que ça se déplace, et je l'utilise notamment sur de l'eau. Pour pouvoir déplacer de l'eau, pour faire comme s'il y avait des vagues, comme si l'eau était en mouvement. Alors que l'eau n'est pas du tout en mouvement, c'est juste la texture qui est décalée en fait sur le modèle 3D. Donc voilà, ça peut vous permettre d'appliquer des petits effets sympas très facilement, sans que ça soit coûteux pour les calculs faits par la carte graphique. Bon, sinon, par rapport à la normal map ici qu'on a utilisée, elle n'est pas terrible, mais on a un petit message ici qui nous dit qu'elle n'a pas été marquée comme étant une normal map. Je vais cliquer sur Fix Now pour appliquer le fixe, ce qui fait que le logiciel va automatiquement convertir ça en normal map. Et là, le rendu sera un peu moins, un peu plus sympa en fait que tout à l'heure. Et là, je peux remettre une valeur un peu plus élevée pour avoir les ombrages ici sous les brins d'herbe. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Vous avez vu où est-ce que vous pouvez donc récupérer des textures. Ce site-là, c'est vraiment une mine d'or. Vraiment, vraiment. C'est super. Il y a plus de 2000 textures différentes pour toutes les surfaces possibles et imaginables. Vous avez même des sortes de skybox pour recréer des environnements tout autour. C'est vraiment super. Vous avez une mine d'or. Tout est gratuit. Et le rendu est de top qualité. Et ensuite, vous savez comment les importer dans Unity, puis comment les utiliser sur le matériel pour appliquer l'ensemble des textures qui vont composer votre matériel.